4 ans que je l'ai fait. Et comme à chaque année, mon espérance est de gagner dans ma catégorie. Mais je sens que cette année, ce sera compliqué. Mais on garde espoir et on va tout donner pour gagner. On s'est bien entraîné, on est venu, bon, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. L'année dernière, ça s'est bien passé pour moi, on compte faire une bonne prestation ici. Le but, c'est de ne pas tomber, hein, mais ça devrait le faire. Bon, pour aujourd'hui, on espère rouler bien, surtout prudemment, on va faire attention. Et puis, on va rouler stratégiquement, c'est le plus important. Surtout avec la chaleur là, on va faire attention à la fatigue. On avait été ensemble d'abord avec les entraînements et tout, mais on espère que ça va aller. On va se donner au fond, ça fait plaisir au public et surtout faire attention. Tout ce qu'on va vous dire, mettez un bécan. Ils sont en train de nous par mes cons. Par mes gens, on tient la vie. Ça m'a fait beaucoup plaisir. On avait 18 personnes et on a piloté avec 14 personnes. Pas de blessure. Il n'y a pas que celui grave. On a commencé. En pleine santé, on a terminé en pleine santé. Ça s'est bien passé. On sait qu'il y a des problèmes de sécurité dans le pays, mais réaliser des compétitions sportives comme ça, c'est une manière de lutter aussi. Donc vraiment, bravo à l'initiative. Tout s'est fait très bien, très très bien. Je me suis amusé, surtout avec mon concurrent de Côte d'Ivoire, Zavid Tribou. On a pu s'amuser, ce qui est l'essentiel. L'entraînement a payé quand même. Et puis, comme je le disais, des très bons pilotes ont fait des mauvais départs. J'ai essayé de donner tout ce que j'ai pu et ça a marché quoi. Alors au tout début, je ne savais pas que j'allais avoir cette cinquième place là. Parce que j'ai fait très très peu d'entraînement, 5 entraînements en une semaine. J'aime vraiment, je suis très content. Télé 16, offrir plus.